guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Dakar. Donc aujourd'hui, le programme c'est... Ouais, on va partir en groupe. Donc là, le point de rendez-vous c'est un hôtel. C'est beau. Un PC bien évidemment. Hello Aurélie. Hello. Comment ça va? Fatiguée, un peu fatiguée. Hein. Vraiment, là on est déjà à plus de 10 jours là sur Dakar. Et l'événementiel, c'est pas facile parce que faut gérer des gens, faut gérer les retards, faut gérer tout ça là. C'est pas simple. Ouais. Donc aujourd'hui on va où Abdoulaye? À Djamnadjo pour visiter des maisons. Comment on dit ça? Djamnadjo. Djamnadjo, c'est la deuxième c'est la future deuxième grande ville du Sénégal. Et après, par la suite, on ira au Lac Rose. Aurélie, est-ce que tu peux nous raconter un peu la dernière semaine? Et on a été à l'île de Gorée. On a appris vraiment plein de choses sur l'esclavage, sur les esclaves qui passaient à Gorée. Beaucoup de choses sur Gorée aussi. Intéressant. On a fait trois départements, on a rencontré plus de 300 femmes à qui on a donné des attestations de formation, les a formées au leadership, à l'intelligence émotionnelle, au digital. Et c'était très, franchement, c'était une très très belle aventure humaine. Mais c'était dur, c'était difficile parce que on avait à peu près 3 heures de route chaque fois pour aller et retourner. Parce qu'on rentrait à Dakar chaque jour, donc on avait 6 heures de route sans compter la journée de formation. C'était pas simple. Physiquement, l'équipe est très fatiguée. Mais vraiment, ça valait le coup quand on voyait les femmes, comment elles étaient touchées du fait qu'on vienne jusqu'à elles. Parce que plusieurs disaient qu'elles attendaient depuis longtemps cette formation, qu'elles n'avaient pas eu. Donc vraiment, c'était une bonne fatigue, ça valait le coup. Et puis il y a toute une équipe derrière, puisqu'on est quand même 10 à se déplacer, 10 ou 11 selon les jours, à se déplacer sur chaque ville, avec deux personnes du cabinet du ministère, puisque le ministère nous a parrainé sur cet événement. Donc on a quand même une équipe assez solide qui nous suit et chacun a vraiment bien rempli son rôle. C'est ce qui a fait que justement ça s'est très bien passé. On a été très bien reçus dans chaque ville, dans chaque département, les maires, on a été bien reçus à la préfecture, à la mairie, au ministère aussi. Vraiment, c'est ma première fois à Dakar. J'avais déjà fait le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo. Première fois à Dakar et c'est vraiment top. Donc aujourd'hui on va se pencher, je vais dire, sur une autre partie du business que j'aime beaucoup, c'est l'immobilier. Donc on va visiter des appartements témoins dans la nouvelle ville, comme l'a dit Abdoulaye, puisque en fait Dakar est très engorgé, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris, très engorgé, il y a beaucoup d'embouteillages. Et là, en fait, ils sont en train d'essayer de déplacer la population sur Djamnadjo. Et du coup, l'investisseur, c'est celui qui voit les opportunités, qui les saisit. Et quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, quand on fait des affaires, on doit déceler les opportunités là où elles sont, quand on voyage, quand on bouge. Alors là, on va regarder les appartements. On va aussi regarder les terrains qu'il y a à vendre dans cette ville, puisque le bien il va prendre de la valeur. L'aéroport est déjà, le nouvel aéroport est déjà pas loin. Et je pense que dans 3-4 ans, c'est un bien qui pourra doubler, voire tripler niveau valeur. Voilà. Ok, super, c'est parti. On y va. Ça, c'est quoi, le Lac Rose? Ah, si t'as pas mis des filtres sur ta photo.
Ah, tu te baignes dedans? Je sais pas. Tu viens arriver? Oui, on est au niveau de SD City là, on est en train de rentrer au niveau du SD City. Je vais descendre, je vais descendre. D'accord, on est juste en face de là où c'est que SD City. Voilà, les ministères, ici on est rentré dedans. D'habitude, en fait, nous on passe. Le ministère est là? Oui, un des ministères. Ils vont délocaliser en fait sept ministères ici. Sept ministères? Sept ministères, il y en a, je ne sais pas combien. Okay. C'est super. On a fait trois parmi les ministères. Deux hémisphères ministériels. Moi, c'est la plupart que je rentre dedans. Avec Aurélie, on ne découvre que les mêmes choses. Même dans son propre pays. Qu'est-ce que tu as dit? Avec Aurélie, on ne découvre que des nouvelles choses, que des nouvelles opportunités. Même dans son propre même pays. Dans son propre pays. Tu vois, je t'ai fait visiter ton propre pays. Et c'est la première fois que je passe par là. S'il n'y avait pas ça là, j'aurais même pas passé. Donc au niveau du croisement, c'est là, ça doit être. C'est même pas si ça. Ouais. Ah, mais ça nous tenu. Si, Ramadan, Diarre Diouf le tout. Diarre Diouf. Diarre Diouf. Voilà. Et ça a été livré quand? Depuis, je pense, 2019-2020. Voilà. Donc, comme Fidel, l'autre droite. Bah, elle m'a dans le pays. De commerce. Donc tout ça c'est les mêmes villas, hein? Oui. De c'est les villas. Oui. Ah ouais, c'est des villas, c'est ça. Même si. C'est les pavillons. Genre pas con, c'est pas. Ça m'a pas l'air de dire. Wow, mon gars, fin. Villa qui va être livrée dans 24 mois, livrée. Donc là, on est dans la maison témoin. Et la villa est juste magnifique. 4 chambres, une super terrasse, rooftop, 2 salons, des salles de bain dans chaque chambre, 2 cuisines, juste magnifique. Donc je vous laisse faire le tour du propriétaire. On y va. Et là, nous avons une fille qui prend juste une image pour ça. Une cuisine française et une cuisine africaine. Je ne vais pas prendre une cuisine classique. Une cuisine classique et traditionnelle. C'est bizarre. Traditionnelle. Il y a 200 encore. Thank you.
prendre, c'est juste la cuisine. Ok, bon, on va la cuisine. D'accord. Et ça, c'est la pâte et l'huile. C'est deux chambres. Il y a une terrasse. Je pense que ça doit être la salle de bain. Ah, il y a encore un étage. Oui, il y a un étage. Pardon. Ok. Regarde juste ici. Chaque chambre a sa salle de bain. Ouais, c'est ça. Ah, waouh. On aime. La visite, la maison est juste waouh, franchement gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, super emplacement, vraiment bien agencé, bien pensé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va négocier le prix. On y va. Franchement, guys, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, aujourd'hui, on est à Jamnadjour et on va faire ce que j'aime le plus, c'est de l'immobilier. On visite des maisons, des appartements, parce que l'avenir est dans cette ville. Allez, on y va.
Magnifique, beaucoup de cœur, vraiment beaucoup de cœur, c'est incroyable. C'est magnifique, franchement il n'y a aucun mot d'autre que c'est magnifique. Les maisons sont grandes, spacieuses, bien pensées. Là il y aura un house club avec piscine, salle de sport pour les gens qui habiteront là. Franchement c'est magnifique, on n'a pas l'impression d'être à la gare, encore qu'on est à Beverly. Là on est dans un autre coin. Ouais, c'est bon, ouais. Mais j'aime pas, j'aime pas la trouver parce que j'ai pas mis. Oui, c'est normal. J'ai pas trouvé, j'ai mis ça.